got it, I got it. I so bad, I just wanna take a shot. I got it. Later on, hit the club and get it popping. Vous avez cru? C'était pas ralenti, hein? Eh bien, salut tout le monde, c'est Squeezie, et on se retrouve aujourd'hui sur un jeu dont pas mal de youtubeurs ont fait des vidéos dessus. C'est donc Dead Island, donc je pense que, bon, vous en avez plein la tête de jeu, c'est pourquoi je vous ai réservé une petite mission. Je sais pas si beaucoup de youtubeurs ont fait une vidéo sur cette mission ou quoi, mais en fait, on est dans un hôtel et faut... Donc Dead Island, qu'est-ce que c'est tout d'abord? Donc je ne sais pas trop quand il est sorti, il y a début septembre, je crois. Ouais, début, ouais, tout début septembre, genre le 2 ou 3 septembre. Bon, je pense que j'ai une connerie, donc m'engueulez pas si c'est pas ça. Mais je crois que c'est quelque chose comme ça, et franchement, ce jeu est complètement délire. C'est un jeu de zombies qui me fait plutôt marrer. Mais je vais augmenter le son pour vous, pour que j'ai bien peur. Donc en gros, si vous voulez, c'est un MMORPG. Donc par exemple, on a des quêtes là. Là, on a des skills, donc c'est un arbre de talent pour ceux qui jouent à WoW, un autre MMO assez connu comme Rift ou quoi, vous devrez connaître. Et on a un inventaire, voilà, donc avec des... Oula, mais... Où sont mes armes, où sont mes armes? C'est n'importe quoi. What the fuck, les gars, j'ai pas mes armes dans mon inventaire. Yeah. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je chante comme ça. Enfin bon, voilà, quoi qu'il en soit, on va commencer tout de suite. Après avoir mis 3 coups de couteau à ce petit con. Voilà. Alors, cette barre bleue que vous voyez juste là, donc en fait, là, il y a un mec qui peut me voir par la caméra, ou je crois, je dois aller là-bas. Cette barre bleue, donc en course, ça s'utilise. Quand on met des coups, ça descend aussi. Et nos armes prennent des dégâts quand on tape et il faut les réparer. On peut aussi les améliorer. On gagne un point de talent à chaque level up. Enfin bon, voilà, ça c'est dit, ça c'est fait pour le jeu. Le but, ouah, putain, j'entends bien. Le but est donc de faire des quêtes et puis de gagner de l'XP, de level up et d'avancer dans l'histoire. L'histoire qui est donc où tout le monde s'est fait bouffer sur une île, tout le monde est zombie. Voilà, c'est génial, c'est génial. Alors, pour cette fois, je joue donc à la manette, car je sais pas pourquoi, mais ce jeu m'attire vraiment quand je joue avec une manette. Donc écoutez, c'est parti. Je voulais aussi vous remercier, vous qui êtes maintenant plus de 5500 à me suivre. Oh putain, il y a un King Kong, vous voulez voir un mec Naruto, Storiken. Je vais me faire violer, Castora. Ah, oh l'enfoiré. Dégagé, putain. Putain, il m'a fait trop peur. Alors lui, vous allez voir, c'est un mec un peu genre pas content. Oula, oula, oula. Vous avez vu, il a voulu mettre une droite, c'est un vieux mec. Attends. Vas-y, lance. Putain. Est-ce qu'il bloque la porte? C'est bon, il m'a pas eu. Un coup de botte. Ouch. Ouch. Je rêve où il prend aucun dégât. Ah bah il est mort. Bon alors voilà, donc en tout cas le but normalement c'est de s'approcher, tu recules le drone qui met une patate, tu lui mets un petit coup et tu te prends une grosse droite. C'est absolument horrible. Donc écoutez, je vous propose qu'on va passer les niveaux de ce jeu petit à petit. Bon voilà, ah boomerang, voilà, donc ça c'est un arbre de talent qui fait que la batte revient dans mes mains. Non, pas si je prends la batte. Putain. Ouais voilà. Oh putain. Mais je pèse le King Kong de merde. Mort. Non mais franchement, comment t'es censé tuer un mec qui fait un mètre de plus que toi, qui a des bras gros comme cette lampe, ouais, excusez-moi, j'avais pas d'autre idée, et qui je sais pas, un pénis gros comme l'arme que j'ai dans la main, enfin bref. Non franchement, c'est assez abusé, et du coup j'ai plus aucune arme sur moi et je dois me retaper ce gros plein dessous. Ouais, c'est super. Oh putain. Oh putain. Casse-toi, il y en a derrière. Ah non, si. Casse-toi. Voilà, tu vois, j'avais dit. Putain, mais les gens, je suis absolument dans le boudin pour cette mission. C'est-à-dire que mes armes sont quand même pas mal utilisées. L'autre, il y a tout qui est dans son corps. Donc je pense que comme j'ai recommencé, c'est plus vraiment dans son corps. Quoi qu'il en soit, toi, tu as bouffé cher dans ta sale tronche de cake de mort. Ah oui, ça, mon bonhomme est donc épuisé. Je comprenais pas ce qui s'est passé. Alors, donc aussi, au niveau des nouvelles importantes pour ma chaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, je voulais me lancer dans une série avec NGZ. Donc, c'est celui qui fait les défis avec moi, qui met notamment les gifles ou autre, ou qui boit les trucs dégueu. Oh! Oh, il m'a mis une droite, le mec! Il m'a mis la pomme des connois! Attends, il m'a fait un truc comme ça! Oh mon dieu, oula, mon dieu, j'ai fait un retour Windows. What the... Je comprends rien. Qu'est-ce qui... Oh, oh là 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 là, mais merci. Alors là, je fais un big up à Infinity tout qui était sur Skype et qui à cause d'eux j'ai fait un retour Windows. Enfin bref. Alors attendez, ce jeu m'a l'air fort. Voilà, donc ça, là voilà, il y a un truc pour réparer.
Bon là absolument ça sert absolument à rien puisque tout est au max. Oui donc au niveau des nouvelles je disais qu'il y a une très très mauvaise nouvelle. C'est que iFrance Cinéma s'est fait hacker. Malheureusement des gens disent que c'est Taze ou je sais plus qui, je sais plus c'est quoi son... Enfin bref, mais en tout cas c'est Hipaco, je suis pas sûr, enfin si je suis presque, si je suis sûr même, c'est Hipaco, hein, tout le monde... Enfin moi j'ai des sources sûres et ils disent que c'est Hipaco, donc ouais, donc ça doit être Hipaco. En tout cas c'est absolument dégueulasse puisqu'il était modérateur de la chaîne, que c'était une bonne chaîne de montage et tout. Enfin bon voilà, en tout cas Hipaco, t'as vraiment déconné, et, va te faire foutre. Enfin bref, voilà c'est tout ce que j'avais à dire au niveau de ça. Alors là c'est une piscine super où le but du jeu ça sera de foutre les zombies dans l'eau, si j'y arrive. Chasser, chasser, chasser. Ouya, karatéka, mataston, wataya. Mais j'avais déjà fait... Aïe, aïe, putain, mais calmez-vous, les mecs, quoi. Aïe. Putain, mais ils sont sérieux, mais alors, eux, je vais les exploser. Ah, ce qui est chiant, c'est qu'il y a de l'endurance et qu'au bout d'un moment, on peut plus taper, en fait. Là, regardez. Ouah, je me fais violer. Cours, cours, cours. Oh là là là, mais c'est du... Oh, pas dans l'eau. C'est quoi cette piscine où t'as à pied? C'est n'importe quoi, c'est même pas une piscine, on appelle ça une pataugeoire pour enfants de moins de 8 ans. Enfin bref, quoi que... C'est n'importe quoi, je vous jure. Allez, hop là. Tac. C'est qui le patron? Ok, enfin bon. Alors, on va essayer de faire des choses concentrées. Hop là, alors lui on va le foutre dans la piscine, vous allez voir. Eh, espèce de petit connard! Pourquoi t'es un zombie, tu aurais pas pu résister? Ah, il lui met vraiment des gros coups. Toi, tu vas te faire foutre aussi. Oh, il a volé! Oh le pauvre! Voilà, nickel, parfait. Ok, maintenant on peut se barrer les gens. On va prendre un. Je sais pas quoi. Qui était par terre. Oui, donc je voulais aussi me lancer dans. Je disais, excusez-moi, ça doit être assez énervant pour vous qui regardez les vidéos. À chaque fois, je vais dire un truc et je me coupe. Donc là, pour le moment, je voulais dire qu'avec NGZN, on va peut-être se lancer dans une série qui s'appellera les tutoriels merdiques de Squeezie NGZN. Mais ça me fait déjà trop de séries entre les dons de panique qui, je pense, je vais arrêter. Enfin, je vais continuer, mais ce sera une série où il y aura une vidéo par mois ou tous les deux mois, grosso modo, sur le jeu, quoi. Mais ouais, je compte bien faire une petite série avec NGZN qu'on appellera les tutoriels merdiques. Parce que franchement, des fois on a des idées de tuto mais vraiment bidon. Pour vous donner une idée, la dernière fois on versait, vous savez, avec une brique. Et en fait c'est une brique bizarre où genre le goulot il est là. Et là t'as la brique qui fait ça. Et tout le monde verse avec le goulot vers le bas. Et du coup ça fait plein d'eau d'éclaboussures et tout. Et en fait quand tu verses avec le goulot qui est plus haut que ta main, ça fait pas d'éclaboussures. On voulait faire un tuto sur ça. Mais des tutos présentés de façon marrante, un peu à la Norman ou quoi. Même si je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment pas qu'on imite Norman. Mais bon, nous, on fait des vidéos avant tout pour s'amuser, donc voilà, bon, si en plus ça vous plaît, donc voilà, tout va bien, mais bon, s'il y en a pas mal qui aiment pas, c'est vrai que ça serait assez embêtant. Enfin bon, j'espère que vous aimerez bien. Karateka. Allez, hop. Aïe, connard. Allez, tu prends pour qui, toi? Donc voilà, au niveau de l'intro, excusez-moi d'avoir fait une intro aussi bidon que ça, mais franchement je me suis tapé une barre. Merci beaucoup à Stinatic d'ailleurs de m'avoir filé cette chanson qui vraiment je l'ai goûté en boucle toute la journée. Elle est vraiment bien, je vais sûrement le upload sur Music for Players. Et il faut dire la chanson Gangsta, hein, je parle au début de la vidéo, il faut dire vraiment j'ai goûté la chanson et à un moment je me mets à marcher comme ça en faisant mouin, en prenant pour un gangsta, et je me suis dit ah, alors ça faut que je fasse un truc con avec cette scène là, et j'ai fait un truc con en marchant au ralenti en faisant croire que j'avais mis un effet de ralenti au montage, mais pas du tout, je marchais vraiment au ralenti comme un gros Gogol. Enfin bon voilà, c'était un truc assez con, mais bon. Écoutez, parce que je le vaux bien et parce que je ne suis pas con, n'est-ce pas, hein? J'espère qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas dit devant leur écran Squeezie pas con. Oh, le rêve. Oh putain, je vais mourir. Putain, putain, putain. Putain, mais ils sont pleins. Je suis mort là, ouais, bon là. Calme-toi. Calme-toi. Là, je vais me faire encercler. Oh. Et voilà. Putain. Mais comment voulez-vous que je réussisse? Ils sont 15. Bref. Enfin bon voilà. Donc ce jeu, franchement, au niveau du jeu, il y a vraiment rien à dire. C'est vraiment agréable à jouer. Bon, sauf qu'on a des putain. Ok, je spawn ici. J'ai plus d'armes. Why not? Voilà, c'est lui. Fallait que je le retrouve en fait. Ok, donc faut que je trouve de la morphine dans la chambre secrète, non, dans la chambre.
c'est une blague. S'il y a un gros porc de l'autre côté de cette porte, je vais encore mourir. Je suis absolu... Mais en fait, j'avance en mourant là depuis tout à l'heure, je viens de me rendre compte. Je suis mort une fois, ça m'a avancé dans le jeu. Je suis mort une deuxième fois, ça m'a réavancé directement là où il y avait le mec. C'est absolument débile quand même comme truc. Enfin bref, ce jeu est vraiment bien. En tout cas, j'aime bien le principe de mixer le MMO avec le zombie. Franchement, j'aime bien. Mais c'est ma chaussure, mais c'est pas normal ça. Hein, c'est la même pointure que moi en plus. Hein. C'est pas tout normal. Hein. Regarde un peu comme ça s'aligne. Ça fait essuie-glace. Ok, c'était vraiment con comme commentaire. Enfin bon, je vais ouvrir cette porte, il va y avoir un King Kong. Donc pour info, King Kong c'est le gros porc qu'on a vu tout à l'heure. C'est parti. Ah bah non. Kikou. Kikou. Mais ça putain, mais il résiste et tout maintenant. Hein. J'aime pas trop lancer les couteaux, je sais pas. Après faut les ramasser, c'est assez chiant. Pour information aussi, j'ai oublié de le dire. Au début du jeu, on a donc le choix entre 4 personnages qui sont... Une fille qui utilise les fusils, lui qui utilise les couteaux, un gros bourrin avec une massue qui fait non. Enfin bon voilà, un mec comme ça. Et je sais plus. Oh, oh l'enculé. Oh putain. Excusez-moi pour l'insulte, mais alors là, j'ai flippé mais comme une tarlouse. Enfin bon. Pour changer, j'ai envie de dire. En tout cas, ouais, j'ai laissé un message sur ma page Facebook que je vous invite à aimer aussi, à vous abonner, à faire de la pub pour moi. Non, sans rire. Oh putain, ça c'est un King Kong ça. Attendez. C'est un King Kong. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh. Vous avez vu comment j'ai esquivé? Hop, je reprends les deux. Et vite, tu t'évades. Oh. Ça gère à mort. Tu leur mets un. Touk. Tu m'as chassé. Touk. Tu reprends ta batte, touc. Et voilà, en fait faire ça plein de fois, c'est assez con, enfin disons que le zombie est plutôt débile ma foi. Hop là, eh ben non je suis trop loin. Laisse-moi prendre ma batte, s'il te plaît. Et voilà. Et là du coup je vais devoir le laisser faire le tour. Bon ça c'est après c'est une stratégie à adopter, mais les King Kong ils sont vraiment... J'ai envie de dire que c'est un peu des moches. Ils sont vraiment moches, ça c'est clair. Bon attendons on va se balader. Ah bah tiens, bah une chaussure, c'est pas comme si je l'avais déjà vu tout à l'heure. Sans rien. Des plantes, je vais me cacher ici les gars. C'est trop dark. Faites pas de bruit, ils vont m'entendre. Mais il s'est barré. Il se fout de ma gueule. Bon relève toi toi. Hey, gros porc là. Ah bah du coup je reprends ma batte. Bon écoute. Mais reprends là. Reprends là. Il se fout de ma gueule. Oh il se fout de ma... Oh les buggés. Oh c'est bon. Oh. Touk. Ouais boomerang. Touk. Critico. Ah oui, on peut aussi faire des coups critiques. Touk. Touk. Aïe, ça fait bobo. Malheureusement. Mais ils sont vraiment chiants. Mais franchement, si quelqu'un a une technique, dites-moi comment faire. Franchement, je comprends absolument rien. Mais comment tu veux un tueur, un truc comme ça, quoi. Putain, trois fois. Quatre. Oh putain, j'ai cru que ça allait encore marcher. C'est-à-dire, hop, s'approcher, moi j'esquive. Ensuite, je mets un chassé. Et le temps de mettre le chassé, je reprends un truc. Et ça n'a pas marché. Oh putain. Oh oui boomerang. Hein. Mais c'est qui lui? Mais il est sorti de son cul ou j'ai rêvé? Non mais sans rire mais c'est... What the f... Va chier. Va chier j'ai dit. Va chier y'a le gros qui se rapproche. Connard. Bon alors viens voir, je vais l'achever ou quoi lui? Oh putain c'est pas... Recule. Boomerang, putain ça a pas eu. Oh. Non mais comment faut faire? Mais sérieusement j'en peux plus de ces gros pleins de soupe. Pourquoi ils ont mis des gens comme ça? Je suis sûr, j'ai pris le perso un des plus durs je pense. Parce que quand t'as le fusil tu fais bleu bleu. Il est mort c'est bon on en parle plus, en place c'est terminé. Mais alors là autant vous dire qu'en plus j'ai plus d'armes ou quoi. Ça va quoi. Et là je parie qu'il a récupéré toute sa vie. Sur PD là. Et voilà, et voilà, qu'est-ce que j'ai dit. Connard, rends-moi mes armes. Mais putain, mais c'est n'importe. Un coup il vous tape à 20 mètres, un coup putain, mais je vais rager contre un gros porc de zombies quoi. Putain, mais va chier là. Ça va m'énerver, je vous promets les gens, ça va m'énerver. Putain. Ok, on va faire la technique que j'ai dénommée pédale. Puis on va prendre un Mars. Ensuite on va les mettre un petit droite, on recule. Petit droite, on recule. Petit droite, on recule. C'est droit, on recule. C'est droit, on recule. C'est droit. Putain, ça marche. Bon, il y a juste, c'est super bon quoi.
Ah! Peut-être qu'on peut se baisser quand il met une droite. Je vais essayer, on va voir les gens, mais j'espère que ça va pas être ça dans le commentaire, parce que là ça s'emmerde quand même. Non mais comment on peut le battre sérieusement? Ça me fait genre t'entends un vieux. Peut-être là tu peux te baisser direct. En fait, genre quand il met la droite, testons. Non mais je me suis reculé. Ah ouais, ok, ou alors comme ça, ouais, c'est peut-être mieux. Oh, ouais, toi. Excusez-moi les gens, mais là je suis... Wow. Pourquoi il s'excite? Oh. Voilà, voilà, super, super. Et tu fais quoi quand tu t'appelles pas Superman, hein? Tu regardes cette icône-là et tu fais kikou lol, comment ça va? Non mais sérieux, quoi. Non mais... Ah, cours. Putain, je vais mourir. Et si je ferme la porte comme ça? Est-ce que cet homme va ouvrir la porte? Ouais, c'est bon. Fallait juste l'enfermer dehors. Putain, j'adore ce jeu. Oh, c'est génial, je viens de me prendre le... Je viens de me fêler le cul pour rien, en fait. Pendant 20 minutes, là, je me suis fêlé le cul pour absolument rien. C'est absolument génial. Oh non! Oh non, c'était le ventilateur. Oh, comme j'ai... D'accord, un couteau qui vole. Bon, d'accord, le jeu n'est pas au point. Enfin bon. Ah voilà, j'ai trouvé la morph. Oh non, faut que je retourne le voir. Ah! C'est bon. Il ne m'a pas vu. Et là, je ferme les portes comme ça. Il en... Putain, mais... Attendez, vous allez me dire qu'un mec comme ça, qui fait 2 mètres et qui a une main gros comme, je sais pas, mon pied, ne peut pas ouvrir une porte. Franchement. Ok, le mec, il veut encore... Putain, mais... Pff, il se fout de moi, lui. Jesus Christ! Ah, il a dit Christ. Ok, l'autre est tourné dans sa pièce favorite. Connard. Voilà. Ok, le mec. C'est à qui le tour? C'est à qui le tour? Ah! Meurtre à la batte de baseball! Pouch! Oula, ils sont nombreux là-bas. Putain, mais faut vraiment être un taré pour faire ça dans la vraie vie. Non, mais franchement, s'il y a une invasion de zombies, moi je serais comme tous les mecs à qui tu prends les quêtes, tu restes là où tu es et tu attends qu'un mec fasse tout ce boulot pour toi. Et le mec qui fait tout le boulot pour toi, dans le cas si contre, c'est moi. Hey, c'est super. Quel monde de bâtard. Pas de pitié pour les femmes, ma cocotte. Alors. Oula. On est pas content. Kikou. Kikou. Wow, ah, oh, 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 putain. Oh putain, enfoiré. Je te t-bag. Oh putain. Oh, cette réaction. Oh, je suis en train de devenir tout rouge là, tellement j'ai eu peur. Oh mon dieu, bon écoutez les gens, ça va faire à peu près 10 minutes de commentaires, voire plus, j'en sais rien. Je propose qu'on arrête bientôt la vidéo. Je vous ai dit, j'aime pas trop les vidéos longues parce qu'après j'ai l'impression que vous faites chier. Et pour certaines vidéos, vous faites vraiment chier. Et j'aime pas ça qu'on me dise, ouais, au bout d'un moment c'est chiant. Donc voilà, écoutez, j'espère vraiment que dans les commentaires vous me direz si vous avez trouvé que cette vidéo est chiante ou pas. Enfin, vous me dites à peu près, sinon comme ça je peux augmenter la cadence. Je prends toujours mon temps pour faire des vidéos. Bon, pour celle-là, j'ai envie d'en faire une, mais là pour le moment, je pense que vous allez assez vous ennuyer devant. Ou alors peut-être que je suis pessimiste ou quoi que ce soit. Peut-être que je me fais pas confiance ou quoi. Mais en tout cas, dites-moi vraiment si vous aimez bien là, comment j'ai commenté ou quoi. En tout cas, je me suis chié dessus littéralement avec ce foutu motherfucker zombie qui est arrivé à fond. Et pourquoi je dis motherfucker? Ça, c'est à force de regarder des putains de vidéos de Bismuth 3. Enfin, quoi qu'il en soit. Les gens, je vais vous dire à bientôt. Je prends. Ouh là, ça, c'est un truc du diable. C'est un. Ce coûte, je sais pas quoi. Allez hop, on vole la caisse. Ok, y'a rien, putain. T'es dans un hôtel et y'a rien dans la caisse. On va se foutre de moi. Ou alors, c'est un zombie qui a tout volé. J'en sais absolument rien. C'est un peu bizarre quand même. Donc, on continue encore 2-3 minutes. Ouais, et ensuite, on arrête. Hop, je bois un peu de boisson. Logique. Je bois de la boisson. Ça va un peu me rebooster le moral et le corps. Et toi, tu dégages. D'accord. Ok, d'accord, ouais, ok. Ouais. J'ai dit, tu dégages, espèce de grosse conne. C'est un gros? Non, c'est pas un gros. Non, c'est une petite fiotte. Putain, mais le mec, quoi. Crève. Oh.
Bon, elle est finie au coup de pompe, le mec. Ah, vraiment, voilà. Écoutez, attendez, bah, allez, on va aller à l'objectif. À chaque fois, je repousse, et du coup, vous faites encore peut-être plus chier. Coup de pied, coup de pas, coup de truc, coup de machin, coup de bidule, coup de truc. Ok. Ouais, c'est vrai, il a dit shit, this weapon are busted, c'est-à-dire que ses armes sont quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne le dirai pas. Kikou, ça va toi? Ok, ils sont trop cons pour sortir, bon. Ah, mais... Ah. Oh. Putain, paye le l'arme qui afflige. Aucun dommage, enfin bon. Ok les amis, alors que on va pouvoir faire. Putain, j'avoue, il y a eu un énorme blanc là dans le commentaire, c'était assez impressionnant. J'étais eu un blanc de. Je sais pas, plein de secondes. C'était choquant. Même moi j'ai jamais autant pas commenté. Donc voilà, donc là je suis un peu en rap de choses à dire. Donc écoutez, je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soit un défi de Squeezie, soit un tutoriel machin si on se fait chier. Oh. Ok. Ça veut dire qu'ils vont être pleins les zombies. Ah non, bah non. Ok. Putain, je ferme ça. Alors on écoute ça et ensuite je vous dis ce que j'ai à dire. Ah bah c'est bon, voilà. Donc on écoutera la prochaine fois s'il y a une suite. Oui, bah attends, tranquille. Oh, tranquille. Donc ouais, donc je vole cette batterie de téléphone et tout. Je suis vraiment un enfoiré. Et puis voilà, donc oui, donc je disais, on se retrouve très prochainement pour soit un défi de Squeezie, soit un truc sur du Call of un peu, ou pour changer les longues, non, sans rien, un truc sur du Call of comme ça, ou je sais pas, quelque chose en tout cas, ou un tutoriel moisi si on a envie d'en faire un. Et puis j'espère que la prochaine intro sera mieux, dites-moi ce que vous pensez de ce commentaire, sincèrement, j'espère vraiment que vous me dites juste bien ou pas bien, ou quoi que ce soit à propos de ce commentaire, dans les commentaires... voilà, en gros vous dites juste oui ça va, moi je me suis pas trop ennuyé, ou alors putain je me suis c'était pas terrible ou quoi, ou carrément c'était naze, enfin voilà, votre avis m'apporte beaucoup, que je sache ou non comment à peu près mieux commenter. Et puis voilà, prochain défi de Squeezie, ce sera je sais pas trop quoi, je pense les bandes de cire sur les jambes, comme ça je vais bien douiller. Et puis voilà, allez, ciao tout le monde, bye, je vous souhaite une très bonne rentrée des cours, une bonne semaine, reprendre le travail comme ça. Allez, ciao tout le monde, bye, à bientôt.